Salut à tous, c'est Trolldis, c'est parmi épisode 38. Et là, j'ai voulu faire une expérience complètement geek, donc complètement inutile, et que je vous conseille de reproduire uniquement en machine virtuelle. C'est de reproduire un peu le schéma des fixed releases. Fixed release, enfin des grands noms de fixed release, à savoir au minimum Ubuntu et Debian, qui proposent tous les 2 ans une version majeure de leur distribution. Ubuntu, c'est tous les 2 ans avec les versions quelque chose 0.04. On peut migrer par exemple d'une version 0.04 précédente, LTS bien sûr je parle, vers la 0.4.1 suivante. Par exemple, on peut migrer de la 16.04 quelque chose LTS vers la 18.04.1. Et pour Debian, c'est tous les 2 ans, d'une version 9 à une version, enfin la 8 vers la 9, et quand la 10 sortira en juin-juillet 2019, ça sera pareil. Donc je me suis dit, est-ce que je peux mettre à jour une image ISO vieille de 2 ans de Manjaro Linux? Donc on est en août 2018 au moment où j'enregistre la vidéo, et qu'est-ce qui était la version principale de Manjaro en août 2016? C'est là. 2016, enfin la 16.06.1, la 16.08 est sortie fin août, donc je me suis dit, je l'ai récupéré depuis cet espace et SourceForge. Voilà, je l'ai récupéré, je dois tout y aller dans le script bien sûr. Et là, je vais installer la machine virtuelle, je vais installer la 16.06.1 en machine virtuelle et essayer de la mettre à jour jusqu'à la 17.1.12 qui est au moment où on charge sa vidéo, la dernière version officielle. On est parti. Donc là, on se retrouve avec le vieille présentation de Manjaro. Ça pique un peu. Et une version 229 de systemd. On en est à 238 ou 239. Je crois que c'est un noyau 4.4. On en est au noyau 4.14 LTS. Donc c'est déjà pas mal. Et on a un bon vieux Plymouth. Les couilles et douleurs, vous me direz. Et là, à l'époque, il y avait 3 installateurs disponibles. Donc j'attends que ça finisse de se charger. Donc voilà à quoi ressemblait un Manjaro 16.06.1. Attention, ça va piquer les yeux. Voilà, la Manjaro 16.06.1 alias Daniela. Et oui, ça fait penser à un certain titre d'un groupe français des années 90, enfin fin 80, début années 90, qui s'appelle Elmer Footbeat. Et non, je ne chanterai pas, j'ai pas envie de faire pleuvoir chez moi. Donc vous voyez, à l'époque, on avait l'installateur Calamares déjà, ta bouche. On avait Calamares, on avait le dérivé d'un installateur d'Intergos qui s'appelait Zeus, et on avait l'installateur en ligne de commande. Donc je vais prendre deux Calamares de l'époque. Donc là, ok, donc c'est bon pour ça. Vous voyez, c'était vraiment le Calamares de l'époque, il n'y a pas eu d'énormes changements dans la présentation. Donc, pour se souvenir de quelle version on installe, comme ça au moins, ta bouche, suivant. Et pendant qu'il s'installe, je vais vous montrer la Logitech de l'époque. Pas Mac, c'était une version 4. On était en 2016. On avait un noyau 4.4. Voilà, 4.4.13, compilé le 8 juin 2016. On en est au 4.4.150 de mémoire. Et bon, on avait bien sûr le LibreOffice de l'époque. Un LibreOffice 5, je suppose. Ah oui, un LibreOffice 5 déjà. Ça pique un peu. Un 5.1 ou 5.2, je dirais. Ah non, un 5.0. Je l'avais un peu surestimé. Et le Firefox de l'époque, oh, c'est une version 40. 45, voire 50. Enfin, dans ces eaux-là. Quarante-sept. J'étais pas loin. Donc vous imaginez quand même que ça fait un sacré bond au niveau de version.
Donc là, j'essaie d'installer aussi rapidement que possible. Ce que je vais faire, une fois redémarré, je vais me connecter, mais après, je vais passer en TTY2. Et j'ai fait une petite liste de trucs à faire. Vous allez voir, c'est assez copieux. Bien sûr, je couperai pendant la mise à jour principale parce qu'elle va bien durer 25 minutes. Donc vous comprenez que 25 minutes, c'est long à meubler. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme logiciel pendant que ça s'installe? On avait déjà GIMP, bien sûr, à l'époque. C'était une version 4.10 ou 4.12 déjà de XFCE. C'était déjà la 4.12 à l'époque. Donc c'est un peu long, mais c'est moins long que maintenant, parce qu'il y a un peu moins de logiciels aussi. Et on avait déjà un Pac-Man 5. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, Pac-Man 5. C'est bon, non, je sais, c'est un bon point. Je me demande si la screen fetch. Non, il n'y a pas screen fetch, tant pis. Donc on va attendre qu'il finisse d'installer. Mais par contre, il y avait un problème sur cette version. Je vais vous montrer ça rapidement. C'est qu'on voyait très mal les icônes. Vert sur vert, on n'y voit que du feu. Voilà, ça y est, c'est un peu long, mais maintenant, il passe à démultiplier. Normalement, on va pouvoir redémarrer dans quelques secondes. Au pire, dans une minute. Donc, pour m'inspirer de cette vidéo, pour préparer cette vidéo, j'ai compulsé toutes les notes de publication récentes. Comme ça, je vais éviter un maximum de conflits de fichiers. Théoriquement. Et je vais voir si on peut passer la célébrissime bug d'avril 2017 qui avait planté nombre d'utilisateurs. Et qui sert maintenant de, dirons-nous, de leitmotiv aux anti-manjaristes primaires. Coucou! Ils se reconnaîtront. Donc là, il me génère le grub. C'est toujours un peu long. Voilà, ça se termine enfin. Ces derniers pourcents qui sont toujours les plus longs, c'est les plus ennuyeux. Et on redémarre. Donc on va avoir une Manjaro 16061 alias Daniela installée. Avec un noyau 4.4.
Bref, une vieillerie. 15 jours à me souvenir. Ça ne rajeunit personne. Mais après, si ça fonctionne, je moderniserai un peu l'ensemble. Voilà, je vérifie juste qu'on peut se connecter et que tout démarre bien. Voilà, donc c'est OK. Et maintenant, on va passer en deuxième TTY. Contrôle F2 sur une machine réelle. Donc, voici ma liste. D'abord, faire un petit Pacman Mirrors. Ensuite, virer Pamac Yaourt. Mettre à jour les Pamac Yaourt et tous ces paquets aussi là, je vais les virer. Mettre à jour les paquets de clés GPG et faire une installation avec moins force. Je sais, c'est mal, mais on va commencer déjà par virer les paquets inutiles. Donc, là, le sudo Pacman, mon RDD, il va chauffer. RDD, c'est pour virer sans indépendance. Pas Mac. Ensuite, yaourt. Package. Query. Tout ce qui est FFmpeg 2.8, parce qu'il est mort. Et ça peut provoquer des conflits. Un grappa tuner plugin, pour éviter qu'il y ait un problème à mise à jour. Un grappa tuner plugin. Un grampa, si je fais une faute de frappe, ça ne va pas le faire. Disque la vie du matin, chagrin. Donc là, il vire tout ça. On va virer tous les JStreamer 0.10 qui sont morts. Enfin, du moins, les plugins qui sont morts. Après, j'aurai peut-être d'autres à virer, mais ça, déjà, on va les virer parce que JStreamer a été abandonné courant mars 2017, si mes souvenirs sont bons. Donc JStreamer 0. 10 tiré alors on va pas s'ennuyer base ça va pas être un peu c'est un peu plus long mais base plugins voilà ensuite bad Good et ugly. Et normalement, on a viré tous les paquets qui pourraient provoquer des emmerdes. On va faire un petit nettoyage. On va faire un sudo pacman mirrors moins c france germany. Ça permet d'avoir des mirrors propres. Sudo pacman moins syy pour rafraîchir les base de données et on va mettre à jour pour commencer les trousseaux de clés. Manjaro Keyring. Comme ça, on est sûr certain que les clés GPG auront été mises à jour. Et là, on fait un sudo pacman moins syyq. Et le paquet Manjaro System va corriger pas mal de petits trucs, dont le célébrissime bug d'avril 2017. Voilà. Et là, il faut accepter tous les remplacements. Ah, c'est vrai, par contre, par sécurité, je vais mettre un force. Je sais, c'est pas bien. Mais s'il y a des conflits de fichiers qui ne sont pas trop mortels, ça sera corrigé comme ça. J'ai pas envie de me prendre la tête pour une machine virtuelle. Je sais, c'est pas bien, je me flagellerai après. Donc, comme je disais, on va accepter tous les remplacements de paquets. Et faire gaffe que toujours oui sera validé. Parce qu'il va bientôt arriver un moment où le non sera validé par défaut et qu'il faut passer par oui. Voilà, il faut accepter les remplacements. Voilà, donc il est 10h49.
Je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans 20-25 minutes pour la suite. À tout de suite. Voilà, 11h08, 19 minutes sont passées et je redémarre. Voilà. Sudo reboot. Et on va voir déjà si la mise à jour s'est bien passée. Normalement, oui. Alors, Manjaro, 4 450. Donc là, je vais juste virer le Plymouth parce que j'en ai pas besoin. C'est une petite gueulante, pas bien grave, on peut ignorer. Et normalement, on doit avoir un Manjaro qui se charge. Croisons les doigts. Ça sent bon. Oh, que ça sent bon! Ça sent très très bon même. Alors nous avons dit pour la suite, réinstaller pas Mac, mettre à jour menu libre. Il faut que je le remette à jour. Mettre le Montana Viewer version 4.14, changer la charte graphique. Ouais, bon, il n'y a plus grand chose. Là, ça va être assez rapide. Parce que vert sur vert, on n'y voit que du feu. Donc déjà, on va changer le fond d'écran et on va mettre celui. Voilà, celui-là, ça sera déjà plus visible. Première chose. On vérifie qu'on est bien avec un noyau récent. Voilà. Et si je fais un SB release. Bref. Donc, première chose à faire, on va réinstaller PAMAC. Alors, sudo pacman-s PAMAC. Et il y avait le problème de menu libre, donc je pense qu'en faisant S, Y, Y, Q, U, ça va régler tout ça. Elle m'avait aussi annoncé qu'il y avait des miroirs à mettre à jour. Donc on va en profiter, on va refaire un petit sudo pacman mirrors -c France Germany. Et là, je vais refaire un petit sudo pacman moins s y q q, mais normalement il ne va y rien voir. Voilà, juste le menu libre qu'il faut que je mette à jour. Donc sudo pacman moins s y, peut-être avec une rétrogradation du paquet. Voilà, comme ça il me faudra la paix. C'est pas bien grave, c'est juste le menu libre. C'est pas grave. Ça, c'est corrigé. Et donc, je vais juste me déconnecter quelques instants pour faire prendre en compte PAMAC. Et là, on va commencer par petit 1, installer les traductions, petit 2, mettre à jour le noyau, et petit 3, virer les paquets orphelins. Donc, on va dans le gestionnaire de paramètres Manjaro. Voilà. Paquet linguistique déjà. Installer les paquets, comme ça on aura la traduction entièrement installée. On est passé quand même de la version 5 à la version 6 de LibreOffice. En 2 ans, c'est pas si mal que ça. La mise à jour catastrophique du 2 avril 2000, enfin, d'avril 2017, elle est passée. Crème. Donc, messieurs, les anti-manja, messieurs, dames, les anti-manjaristes primaires, là, vous avez perdu l'occasion de vous taire. Enfin, moi, je dis ça, mais je dis rien. Bon, alors, on fait ça. Là, on va en profiter. Noyau. Donc, je vais installer le 4.14.65. C'est un peu mieux d'avoir un audio 4.14 qu'un audio 4.4, ne serait-ce que pour la durée de vie. Et pour le meilleur support matériel pour des matos plus récents.
Bon, dans une machine virtuelle, ça ne change pas grand-chose, mais je préfère un noyau 4.14 à un noyau 4.4. Les coûts et les douleurs, vous me direz, ça ne se discute pas! Donc, il y a deux moyens de virer les paquets orphelins, soit de passer par PAMAC, soit de passer par ligne de commande. Je vais y aller par ligne de commande. Même si vous n'avez pas trop d'habitude, vous passez par PAMAC et ou t'es paquet orphelin. Installer orphelin. Mais là, je vais passer par PAMAC, ça sera plus rapide. Ah, par ligne de commande, pardon, ça sera plus rapide. Donc, nous avons dit. Virer des paquets orphelins, c'est pas compliqué. RCS pour virer AB indépendance. Pacman moins QDQT. Et là, il va nous virer une palanquée 500 mégas de paquets orphelins. Vous voyez, il y avait encore des vieux JStreamer 0.10 qu'il fallait faire gicler. On va récupérer à peu près 600 mégas sur le disque dur. Bon, me virer ça, je sais pas pourquoi. D'accord. Je réinstallerai un grampa qui m'a viré accidentellement. Pourquoi il a considéré comme orphelin, donc je vais réinstaller un grampa pour pouvoir gérer les archives. Ça, il est peut-être un peu fort, mais c'est pas grave. Voilà. On va cliquer Xarchiver dessus maintenant. Non, il n'y est pas, mais c'est pas bien grave. J'aurais dû passer par PAMAC, mais ça, c'est pas grave, ça ne va rien péter. Voilà. Donc, on va redémarrer l'ensemble. Et on finira par. Pour redémarrer, pour prendre le compte noyau 4.14. Bon, c'est une petite gueulante, c'est pas grave. Donc, là. C'est avancé, donc c'est bien un 4.14 qui démarre par défaut. Ouais. Je sais, j'aurais dû passer par PAMAC pour virer les paquets orphelins. Mais il y a juste un grand pack qui a fait que je réinstalle. Donc si vous voulez reproduire l'expérience, pour éviter mon petit incident, passez par PAMAC pour virer les paquets orphelins. Un petit aléa du direct. Voilà. Voilà. Donc, je vais configurer l'IDM pour qu'il me prenne ce fond d'écran par défaut. Là, on va s'attaquer vraiment à l'apparence. Alors, le fond d'écran, image, c'est Breathe. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Et on enregistre. Comme ça, on aura ça. L'apparence. Donc, j'ai pris des notes. C'est Vertex Maya. Pour l'ensemble, donc on va installer des paquets Vertex Maya. Donc on va rechercher Vertex Maya. Vertex tout court, on n'aura plus qu'à prendre les Vertex Maya. Thème, voilà. Appliquer. Valider. Et maintenant, je vais dans les apparences. Vertex Maya, icône, Vertex Maya, c'est bon. Et là, si on regarde. Donc, déjà, on a quelque chose de pas si mal que ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Changer la carte graphique, traduction manquante. Ah, les paquets morts et orphelins. Donc, là, on va aller dans PAMAC et on va installer TriDSEN. Pour justement gérer les paquets orphelins qui pourraient être sur AUR. Voilà, un truc que je vais activer, c'est le support d'AUR.
Voilà. Et là, je vais juste faire. Alors, les méthodes terminales. Je fais un tridsen. Moi, S, Y, Y, Q, A. Il va me dire si A c'est des paquets. Donc, déjà, je peux virer PCMCA8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paquets qui ne sont plus disponibles. GKSU, je préfère le virer parce qu'il ne sert plus à rien du tout. Et cette dernière firmware, là, ça ne me sert à rien du tout. Donc, je vais aller dans PAMAC. Sauf bien sûr si vous avez un vieux matos qui dépend du ZD11 de firmware. Donc, ce que je peux virer sans problème, c'est GKSU qui est abandonné et qui est maintenu, on se demande bien pourquoi. Le ZD11, 1211. Et ensuite, PCMCIA Utils. Voilà, qui n'est plus disponible. QPDF. PDF. Alors, c'est le déjà vu plugin et le PS plugin. On n'en a plus besoin. XFCE mixeur 4 mixeur qui n'est plus utilisé. Et le Power Manager Dev. Mince. Dev. Qui n'est plus utilisé. Xorg serveur. Utils. Xorg serveur-utils qui n'est plus utilisé et Xorg-utils. Voilà, et là maintenant on va pouvoir virer ça. Mais ça va nous virer les paquets qui n'existent plus sur AUR ou qui ne sont plus utilisés. Il me reste deux trucs à analyser qui sont GNOME FX et GNOME Mimedata. Donc je vais voir s'ils sont encore utilisés. Donc les paquets AUR. Voilà. Donc je vais aller dans les installer, étrangers. Alors, détails. Est-ce qu'ils sont encore. Si je les installe, est-ce qu'il y a un problème? Détails. On va cliquer déjà, on va voir ce qu'ils me disent. Apparemment, il n'y a que ça qui est viré. Donc ces deux paquets ne servaient plus à rien. Pas de problème. Donc là, il n'y a plus aucun orphelin compagnie. Donc apparemment, ben, je suis arrivé jusqu'au bout. Donc ce que je vais faire, c'est déconnecter et reconnecter. Même redémarrer carrément. Pour être sûr certain que tout passe bien. Et normalement, je devrais avoir un système fonctionnel. Mis à part cette gueulante là. Mais c'est pas bien grave. Là, normalement, ouais, je démarre sur un noyau 4.14.65. Bien sûr, c'est largement plus propre de démarrer sur une base récente, mais apparemment, même si ce n'est pas du tout conseillé, on peut prendre une Manjaro vieille de 2 ans et la mettre à jour. Je suis quand même étonné de la solidité de l'ensemble. Voilà, donc là. On va vérifier que les gros logiciels se lancent, que ce soit GIMP, LibreOffice, Firefox. S'ils se lancent, c'est que vraiment. C'est vraiment solide, quoi. La Manjaro est beaucoup plus solide que certaines personnes veuillent le dire. Joins c'est GIMP. LibreOffice. Voilà, tout simplement. Firefox. Comment dire?
Mis à part le thème qui est un peu cassé, ça passe. Mais ça, le thème, ça peut s'arranger, hein. Préférence. Non, c'est plutôt l'apparence. Module complémentaire. Thème. On va prendre. Active le thème sombre. Voilà, ça passe un peu mieux. Mis à part le thème graphique qui est légèrement cassé dans Firefox, ça passe. Du nord, ça fonctionne. Donc oui, on peut mettre à jour une Manjaro vieille de 2 ans, mais non, ce n'est pas franchement conseillé parce que vous risquez d'avoir un système qui risque d'être instable à terme. Voilà, donc je vais éteindre cette machine virtuelle, je n'ai pas grand-chose à rajouter. L'expérience était intéressante. Ah, ce bug. Donc, mis à part que petit bug, c'est possible. Ce n'est pas du tout conseillé, mais c'est possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!